Alors c'est en 2021, fin 2021, que nous sommes rentrés en contact avec Aqua Itineris. C'est eux qui ont pris contact avec nous suite à une rencontre commune avec, avec des transporteurs. Et rapidement, ils nous ont proposé cette possibilité de tracter la SMI. Par un hasard de relations amicales, et on a expliqué un petit peu quel était notre projet, quelle était notre façon de travailler. Et immédiatement, Trade Union a reconnu les valeurs communes avec nous, ces valeurs d'équité, de solidarité. Donc on a tout de suite accepté, nous n'avons pas réfléchi longtemps parce que cette action est porteuse de sens et elle est porteuse des valeurs de Trade Union. Et la preuve en est, hein, on vient de voir les enfants dans le bassin et on s'est aperçu que la solidarité et la convivialité étaient au rendez-vous. Aqua Itineris France est une association qui est basée donc en Normandie et qui rayonne sur tout le territoire national. Donc on a démarré en 2022 ce partenariat. Puisqu'en fait, ce sont nos adhérents en fonction des lieux où vont être posées la SMI, s'organisent, s'entendent pour voir qui va monter la SMI, qui va la descendre, etc. Et grâce à l'appui de Trade Union, on a eu des conseils sur notre façon de pouvoir venir accéder aux zones où on devait se déployer. Et là, on avait en face de nous des professionnels qui nous ont donné les conseils, qui nous ont accompagnés dans ces démarches-là. L'accompagnement de l'association Aqua Itineris ne s'est pas arrêté au simple fait de tracter la SMI d'un point à un autre. Nous avons accompagné aussi Aqua Itineris dans quelques travaux que nous avons menés sur la SMI. Nous les avons accompagnés en Suisse pour pouvoir faire passer la SMI aux mines. On a tracté une dizaine de fois la SMI en divers endroits de France. Ce qui est super, c'est de voir d'abord les conducteurs qui ont eu la joie de tracter la SMI, ils sont contents, ils sont reconnus. Et c'était aussi ça qu'on voulait faire à travers cette action. C'était aussi de pouvoir redorer l'image du transport. C'est toutes ces petites actions qui ont permis à Aqua Itineris d'être centré sur leur action, qui est de mettre ce bassin nautique d'apprentissage à disposition des enfants, proche des écoles, comme on l'est là à Signane-la-Rotonde. On a découvert en fait aux 20h de TF1 le camion piscine en 2018 et on s'est tout de suite dit que ce serait une super idée pour le village. Et quand l'Aqua Itineris nous a proposé la date du 1er janvier, on a dit ben, ok banco quoi, on y va. L'organisation complète a pris environ 3 semaines. Les entreprises nous ont beaucoup aidés, toute l'équipe de la mairie a été mobilisée entièrement. Il a fallu aussi recruter une MNS, donc un moniteur nageur sauveteur. Et puis on s'est dit que ça serait bien d'avoir quelqu'un de local, et comme la piscine de Manosque était fermée, c'est Esther Baron, double championne d'Europe et multiple championne de France, qui est venue enseigner aux enfants. Je suis venue à Signane-la-Rotonde pour faire le beau projet du camion mobile. Pour moi, le plus, c'est vraiment l'effet cocon et le sol qui est amovible. Depuis qu'il y a le camion, il y a un lien social qui est plus fort parce qu'il y en avait déjà. Hein. De pouvoir rassembler tous les enfants ensemble sur des périodes scolaires et sur des périodes périscolaires, ça a été juste fabuleux, je trouve. C'est un projet qui a vraiment motivé tout le monde en fait. Les parents, on a envoyé un message parce qu'on avait besoin d'un parent encadrant. Ils ont répondu tout de suite présent, ils ont formé un groupe entre eux. Les gens se sont manifestés déjà pour s'inscrire au cours. Moi, je suis venue en amont sur l'école, expliquer aux enfants ce qui allait se passer, qu'il allait avoir un camion piscine qui allait être garé devant leur école et tout ça. J'étais parent accompagnatrice tout au long des 3 semaines. Pour mon enfant, j'ai vu des progrès assez grands sur l'aisance aquatique. Et en tant que parent accompagnateur, j'ai vu aussi le progrès de tous les enfants. Moi, les enfants de maternelle qui ont découvert le milieu aquatique avec moi, en fait, ils vont pouvoir apprendre à nager plus tard parce qu'ils ont une bonne appréhension du milieu aquatique. Et ça, c'est très important. Ils ont été super et de voir leur évolution dans l'eau, j'ai vraiment adoré. Et puis eux, en fait, je leur apprends à nager et eux, ils me rendent un sourire, donc c'est vraiment top. Les journées, par exemple, comme le mercredi et le samedi, j'ai pu accueillir des handicapés et aussi j'ai accueilli des groupes d'adultes pour faire des cours d'aquagym. Et ça, c'était très, très
très funky, on va dire, parce qu'on a mis la musique, on s'est vraiment déployé. J'ai eu la chance d'en faire et c'était vraiment chouette. On est par petits groupes parce que du coup, il n'y a pas une grande capacité d'accueil et c'est très bien. On était avec Esther Baron, qui nous a coachés sur nos temps d'aquagym. Par groupe de 6 ou 7 et on a pu bien travailler. Les gens étaient très, très, très contents. C'était marrant et c'était sportif. Elle nous a pas, elle nous a pas laissé trop de repos entre chaque exercice et c'était vraiment chouette. Ouais. Tout a été vraiment parfait, quoi. On peut pas dire autrement. Nos craintes, c'était la complexité et au final, ça a été de la simplicité. Voilà, tout simplement. Aqua Itineris répond aux demandes des collectivités que l'on reçoit donc par mail, par téléphone. Et pour ça, pour arriver à réaliser ces prestations, elle s'appuie sur de nombreux partenaires. Alors, des partenaires majeurs comme Trait d'Union ou comme la Fondation Princesse Charlène de Monaco, et puis des partenaires qui sont un petit peu plus dans l'ombre, qui interviennent sur la maintenance, comme la société Electroman. On a des partenariats tout au long de l'année qui nous permettent d'apporter ce service auprès des collectivités, auprès des enfants, auprès des administrés des différentes petites communes ou grands territoires sur lesquels on intervient. Nous avons porté tout au long de l'année 2022 des actions aussi humanitaires avec quelques convois que nous avons fait en Ukraine. Et en fait, on s'aperçoit que les deux actions, que ce soit Aqua Itineris ou d'autres actions humanitaires, sont véritablement dans les valeurs de Trait d'Union que nous déclinons à travers Pacte. Et je crois que Trait d'Union n'a jamais porté autant son nom qu'aujourd'hui en voyant les valeurs qui sont véhiculées à travers l'association Aqua Itineris.